voulez saluer aussi secrétaire d'État, si vous voulez vous là. On a salué les représentants des CPJ qui sont là. On a salué les collègues commissaires qui sont là. Et nous voulons saluer aussi la presse parlée et télévisée qui vient rendre conférence de presse aussi. Maintenant, c'est nous sentir nous contents parce que le ministre a donné nous possibilité pour nous parler avec la population, hein, ni ça qui est ici, ni ça qui a pris l'autre. Parce qu'il y a besoin qu'on ait étapé. Moi-même, comme commissaire du gouvernement, Paquet Gonaïve, tout le monde connaît Gonaïve qui s'est représenté. Je pense après l'Ouest, juridiction qui est plus chaud, c'est Gonaïve. Et suivant l'histoire, nous tout connaît qui s'est Gonaïve représenté. Mais maintenant, au niveau juridiction, hein, nous faisons en pile opération. Et chaque fois qu'il y a une turbulence politique, chaque fois qu'il y a un gros mouvement politique, la quitter répétition hein, sur nous comme commissaire gouvernement. Parce que à chaque fois qu'il y a un gros mouvement politique, ça y est, eh bien, vous gagnez des mercenaires venir, vous gagnez des argentins qui viennent dans la juridiction pour raison politique et vous pas venir de mettre des. Ça veut dire que c'est des hommes armés qui viennent dans le département, yo, dans la juridiction yo, pour avoir des problèmes. Le mouvement ça a fini, vous avez besoin d'un pile force pour repousser les saillots, pour arrêter ça ou pas arrêter, pour stopper ça qui doit stopper. C'est ainsi que nous-mêmes au niveau juridiction Gonaïve, nous menons en pile opération. D'abord, il y a des bandits qui stoppaient, il y a tout, nous arrêter. Après, prison quoi des bouquets a été fait craser. Moi-même avec le directeur départemental de police là, bien bonhomme du directeur de police là que suite à l'évasion ça, c'est sûr que nous avons un bon prisonnier qui vient joindre nous dans le département. C'est ainsi que nous faisons des filatures, nous augmentons les checkpoints, nous mettons la police là sous des pieds de guerre pour nous contrecarrer tout évadé qui prend la zone Gonaïve pour nous. C'est ainsi que nous arrêtons dans yo. Il y a tout qui stoppé. C'est par la suite Anel Joseph qui a stoppé par la police. C'est suite à un checkpoint et puis Anel arrivé, policiers étaient sur moto, monsieur les a retiré, la police répliqué et puis ainsi Anel trouvé lié avec les ancêtres. Et nous continuons l'opération. Il y a l'autre évadé nous arrêter. Nous demandons à CG Quadre Bouquet pour le fond Jean, pour le point pour nous. Pour que vous allez dans le demain. Et tout le monde attendait l'opération coup de poing, le président a lancé. Immédiatement, il a lancé, le ministre de la Justice a été emboîté, et il a intimé nous l'autre. Sous instruction du ministre de la Justice, nous avons emboîté les pas. Au niveau de la juridiction des Gonaïves, des milliers d'actes de naissance qui sont en bail à un monde qui n'a pas d'actes de naissance. Et ça a facilité. On y a 4 identifications nationales. Et pendant la parole, l'opération a continué. Les nous dit des milliers d'actes de naissance. Parce que suivant le rapport, nous gagnons par officier d'état civil, nous presque à 20 000 d'actes de naissance au niveau de la juridiction de Gonaïve, que nous baillons. Et nous continuons le travail toujours. Et question identification nationale, là, c'est un gros problème. Ou qu'on a arrêté les gens sur mon nom. Les laguer et puis on l'autre nom. Parfois, tout pendant que nous sommes en prison, si on a arrêté, après ça, on entend que ce n'est pas nous saleté gagné. Mais grâce à l'opération, ça me pense que nous commençons à identifier les gens qui ont gagné des licences, ça prend une tâche plus facile pour nous. Mais maintenant, nous, une opération nous emboîter les pas avec les, c'est l'opération débarrégée. Dans le port de Prince-Yobaron, nous avons détenté vite. Nous-mêmes, dans la juridiction, nous avons débarrassé. Et nous avons commencé à voter juif. Pas oublier, nous avons un fléau qui s'est kidnappé. Et tout le monde qui est kidnappé, c'est la machine qui est filmée aller avec eux. Nous avons cette décision. Nous avons commencé à appliquer lui. Et la population a battu à vous pour lui. Parce qu'ils ont accompagné nous. Samedi, nous avons dans l'opération détenté vite. Comme nous avons débarrassé dans la juridiction,
hier dimanche encore, nous a poursuivi. Pendant que nous venons aujourd'hui, m'assurer que la police a fait suivi. Et nous dit tout le monde qui parle de détention dans l'autre juridiction, mais de vous dans la juridiction, vous n'arrivez pas à détenter. Parce que c'est une mesure d'État. Moi-même, comme commissaire gouvernement, je vais signaler là. C'est moi-même pour tête moi avec le directeur de police. Nous détenons les machines, nous, dans le commissariat, nous voyons un message là. Pour nous dire que pas de monde qui est exonéré. Et samedi, nous avons dit la presse parce que quelqu'un qui pense qu'il y a un super chef là-dedans, pas de guerre. Nous détenons, on va comparer national. Les maps détenus, nous disons, c'est pas les nationaux, nous disons, le président, dit le commissaire gouvernement, détenu machine. C'est pour montrer nous, moi-même, nous pouvons là-dedans, nous travaillons pour nous bailler population satisfaction. Parce que nous, là, comme des serviteurs, nous là pour nous tenter que nous, et pour nous travailler pour bien-être la population. Jusqu'à date, nous avons frappé, nous pas peur parce que nous déjà là. Et nous fiers, jusqu'à présent, même j'en entendais on l'a, quand journaliste demande le président, les rapports qui sont quittés pour le pays, l'État étalé, moi-même comme commissaire gouvernement, les parler encore comme dit, mais ça m'a fait dans la juridiction. Hein, et ça m'a dit à la population, attendez, je connais qui est ce qui commissaire sera, n'a frappé, jusqu'à présent, nous demandons la population à continuer à collaborer avec nous, parce que sans eux-mêmes, nous ne sommes pas capables de priver efficace. Étant donné que nous avons un responsable de CPJ qui est là, nous avons demandé des responsables de CPJ, même si j'ai des étrangers qui viennent renforcer des CPJ pour Prince, je pense qu'il est nécessaire pour renforcer SDPJ nous gagner qui est dans la juridiction. Lorsque SDPJ investigation est efficace, il permet au commissaire gouvernement d'agir plus vite parce que l'information est arrivée à temps et puis le partager, ça permet de nous faire plus de résultats. Nous avons demandé aux responsables de CPJ qui est là. Pour faire effort pour renforcer pour nous, SDPJ nous gagne dans la juridiction. Merci. Et il n'y a pas de juridiction qui est visible. Merci. Donc, si vous avez besoin, il n'y a pas de juridiction qui est visible. Ça me dit que je vais. Et le résultat, ça a déroulé de 0 tout à l'heure. S'il est applicable, le même jour, il me déroule ses membres. Donc tout bon, tout assassin, tout criminel, d'acheter dans le de ces prisons à cimetière. Donc ça continue à attaquer la boule, ça continue à vivre dans la réparation de prison à cimetière, jusqu'à ce que nous ayons la peine américaine. Donc nous avons mis ce qu'il faut, donc nous autres, la communauté du gouvernement, au moment de nous, pour nous les mêmes d'acheter, attaquer les prisons, continuer à croiser, voyez où vous les juger, parce que dès que ça y est, on va faire un tâche, on va jouer dans le pays. Merci. C'est le gouvernement Koso qui garde la 6 communes. De roche à bateau à Tibiouan. Et ils sont seuls entrés, pas vraiment des trop difficultés. Donc, par exemple, kidnapping, nous sommes des entrées qui commettent dans la zone métropolitaine. Par contre, nous sommes obligés de développer une synergie avec l'ensemble de commissaires gouvernement qui sont dans la zone pour le sud. Par exemple, nous avons Okaï, nous avons Akin, Koto, nous faisons synergie entre nous-mêmes de façon à ce que les bandits sortent pour Prince pour ne pas retourner monter encore. C'est-à-dire que si Ake va être en plan, au cas en plan, si Oka va être en plan, on plonge au poteau, son seul entrée, on s'est constaté dans le plan. Il y a quelques nous-mêmes dans relation avec la police, nous demandons proactif. Proactif, ça veut dire que c'est tué dans l'œuf. Automatiquement, on va rentrer ou identifier ce tout grand. Pas que nous commettons action après au cas grand. Les points de poteau, nous parlons, nous identifions. Nous demandons que nous sentions que nous avons une mission gagner. Et nous regardons qui ça a gagné sous vous. Et si nous avons doute de nous, rapidement informer des CPJ, nous informer des DS pour nous connaître renseignement sous vous. Et ça qui a gagné un problème au Koto dans le jour passé, c'est nos assassinats. Par exemple, on est là, j'ai monté le garou qui a assassiné. Mais nous savons, il y a des très très loin dans ce commune. Et nous, on a marché près de 3 à 4 heures de marche à pied. Et pour nous rencontrer carrément un bandit. Et il faut me dire que moment fragile, et job ça, son job vient de garçon lié. Parce que lorsqu'il faut intervention, le bandit va courir, il est prêt pour l'attaquer. Et nous-mêmes, commissaire gouvernement, nous-mêmes la police, et nous traitons avec dernière rigueur. Et la dernière étrangement. C'est-à-dire que par un côté, un bandit caché, on ne va pas priver de nous. Et profite de cet espace-là pour nous. Collègues, merci parce que nous jouons pas à vous ensemble, collègues,
Et moi, je remercie et félicite le ministre de la Justice là. Et pas que c'est mon flatterie. Et son devoir qu'il nous fait, il mérite ça tout. Quel que soit l'heure, quel que soit le mouvement pour elle, il est toujours ensemble avant. Et nous sentons que nous avons nous agir. Si le ministre de la appelle, il va répondre, on va besoin de l'envoi, tant que nous appelons là. Et c'est sûr et certain que nous appelons là pour tout. CG, comment ça y est, Bolakayo? Pour le ministre, voilà les quoi il en est, il dit, agis dans ce sens. Et ministre, et c'est mon flatterie. Et nous avons pris respect pour vous, nous avons en pile parce que nous avons pu faire et même sur le terrain ou avec nous en esprit. Nous vous remercions pour ça. Et nous-mêmes, et vos côtés, nous voulons à cette population. Hein. Côté Port-au-Prince, côté CEMAC, c'est nous tous qui travaillons pour vous. Parce que quand on dit à pas mon Port-au-Prince, lycée nous travaillons, lycée nous gagnons nos droits, mais chaque commissaire dans chaque côté que nous y est, nous mettons nous disponibles pour nous proagir, pour nous tuer dans l'œuvre. Chaque fois que le bandit a présenté les banois pour ne pas qu'il ait troublé la paix publique dans le pays. Et c'est chez notre population, très vigilant, mettez-nous prêts pour collaborer avec nous, parce que nous disposons pour nos services que nous avons là. Merci. Le 16 novembre 2018, que vous venez dans la tête paquet de paix, vous avez mis des pieds à terre. Mais avec une féministe Rockefeller, depuis ma net à terre, mais son internet, pour que nous mettions la paix dans le département nord-ouest, que cémenter son territoire libre. Il y a trois zones qui étaient réputées comme zone nord-ouest, c'est celui du nord, que nous mettons Saint-Dionantal en nous. Il est tombé, il est baron. Parce que chef là, c'est nous, c'est l'État. Bon, petit zone, mon l'hôpital sous bord de paix, qui t'a fait caca, nous débarquer en appui avec la police, l'unité spécialisée, parfois avec BRTS, nous craser 7 bases dans zone ça, pas de problème. Dernière zone qui t'a fait résistance, qui t'a fait tracasser, Jean-Abel, notre gouverneur, hier samedi, commissaire gouvernement en personne, juge de paix, unité spécialisée, nous craser par ça, il y a 3 mecs qui n'ont pas. Et nous saisissons, et nous avons cassé des pots, nous volons du, nous volons par le soleil, nous prenons l'huile, nous prenons l'eau, nous prenons tout le bagage. Nous venons de fait comme nous et il y a 3 nègres qui nous mènent là. Dans l'opération, nous menons 25 opérations, il y a 50 nègres comme accord et 3 radios au cabinet d'instruction. Donc, chance par nous pour le père, afin qu'il n'a pas nous pas parler la caille. On sait les qui t'étendent, il faut qu'il n'a pas mis dans l'autre. Donc, ça veut dire que la caille moins. Ma terre, chaque jour il y a une opération, chaque jour il y a un checkpoint parce que le ministre a eu le bossier pour me saluer dans la zone. Donc, moi, frappe quotidiennement et je félicite la collaboration avec la police qui est toujours prêt et qui est toujours disposé, quel que soit l'un de ceux qui font opération, pour frapper avec nous. Parce que nous étions bandits, nous avons deux chances. Ou bien nous convertis, ou bien nous quittons le métier, ou bien nous allons battre. Il faut que nous ayons souffle dans le pays. Semaine ça, le commissaire gouvernement, sous instruction de la justice, a fait une visite spéciale dans le pays. Après l'invasion, le commissaire gouvernement ou responsable pénal, nous avons parlé avec eux et nous avons 10 prisonniers sous instruction du ministre de la Justice. Calmez-vous, le ministre de la Justice permet que nous ayons 4 juges comme il y a là. Tout le monde doit juger pour réduire et pour éliminer la question de détention préventive prolongée. Concernant l'opération Oignon, l'opération Coupoint, ça marche très bien dans le département PAM. Quand pile à l'adolescence qui fait, cependant,
gen 5 officiers d'état civil kap bay problèm tèt a yo a koupe parce que gen sa k ap pran kòp gen sa k pa ap kolaborer et gen officier d'état civil ki pose bon avion la yon bò il pa informe commissaire gouvernement m bezwen bay pèp la kap avèk a denesans nan zon sa pa vin mche pou mwen men mche deja pa nan fonksyon parce que opération sa mwen nan pe pa konprann. Concernant détecter vite, de rencontre le directeur départemental de la police, ça nous dit, hier samedi 6h du matin, opération commencée pour que nous exécutions instruction gouvernement, instruction ministre de justice. La CAIM est bonne de paix, la CAIM est dans le département de l'Ouest, tout le bagage a marché, car tout le monde est petit, bandit, petit, car toujours ralenti le vol, 26 euros caché. Mais pour le paix territoire libre, question de mon époque, comme la banque, on est gardé là, on est défi pour faire ça. D'ailleurs, pour le paix, parfois dans la machine seule, toute vie on descend, pour moi qui bandit qu'à garder le commissaire gouvernement. Parce que le grand roi, le puissant, c'est le commissaire du gouvernement. C'est ça que fait nos derniers messages, le débat, de toute collègue. Font seul avec une justice là pour que nous fassions notre pays, pour que nous croyions tout le bandit qui gagne. Donc, ministre, au nom de toute l'équipe là, au nom de tout le collègue là, nous avons frappé le département nord-ouest après ton territoire libre, côté que nous avons mis n'importe là et pour ne pas gagner un rien et bandit par attaque. Merci. Je salue le secrétaire d'État qui l'a jeudi. Je salue mon cabinet ministre de Justice. Et je salue tous les collègues commissaires gouvernement qui l'a. Et je salue DCPJ. Et je salue la presse parlée et écrite. Depuis le 6 février de cette année, le ministre Rockefeller a choisi comme commissaire du gouvernement Port-au-Prince. Et depuis jour ça, moi lancé dans le combat contre le grand banditisme, notamment le kidnapping, l'enlèvement, la séquestration, prise d'otages, rap, demande de rançon et simulation de kidnapping. Toutes infractions ça, c'est des infractions qui punies par la loi d'octobre 2017 modifiant la loi de 2009 sur l'enlèvement et la séquestration. M'a rappelé tout kidnappeur de pays, tout malfrat, que loi ça, son loi qui est très stricte, loi ça pas admettre ni liberté provisoire, ni circonstance atténuante, ni m'élever de coups. Et c'est une loi tout qui admet publicité. Tout le monde qui condamne pour question kidnapping, la loi dit yoka, publie sur réseau pour toute société à voir, pour tout le monde comme kidnappé. Mardi, tout kidnappé, je dis à l'autre commissaire gouvernement de Port-au-Prince, c'est pas un commissaire gouvernement qui décide de chita seulement dans le bureau, mais son commissaire gouvernement qui décide d'accompagner la police dans tout corridor, dans tout coin, dans tout quartier pour être capable de frapper le phénomène de sécurité. Je dis, moi je parle dans la société que le kidnapper a fait mon peur et il fait toute catégorie de mon peur dans la société. Quel que soit le droit de l'homme, quel que soit la société civile, quel que secteur politique pour rien, je dis à la question kidnapping, non, il fait tout le monde peur. Et je dis, moi-même comme commissaire du gouvernement, maintenant son message par tout kidnapper. Commencez à rentrer tête. Commencez à rentrer dans le coquille. Parce que moi-même, moi décidé, ensemble avec la police, ensemble avec la société, et ça fait demander la population, pour solidariser, porter solidarité avec Paquet, avec la police. Si vous regardez,
y a un mouvement qui a fait en dans la juridiction ça pour le presque ma dirigeant. Que vous ne pas comprendre, pas négliger la police, pas négliger les parquets, le 36 04 96 02. 36 04 96 02. Et m'a dit tout juge de paix, qui tout acteur dans le système, dans la chaîne pénale, y a des instructions claires pour y camper avec Pakea pour nous capables de pointer le phénomène d'insécurité, puisque la loi fait tout juste de paix. Auxiliaire commissaire du gouvernement en matière de délit et de crime. M'a dit tout policier qui s'est empêché, prend la responsabilité aujourd'hui, parce que moi, Capenel, et m'a dit tout policier qui s'est empêché, agent police judiciaire, quelle que soit action illégale que malfrat posé dans la société, yo que la loi permet de transformer tête en OPJ pour ce que faire de délit. Moi, je dis à ma vie dans l'empile, depuis que je suis monté à moi-même, moi, je mets pieds à terre, et bien, je suis toujours à terre, depuis que je suis juge de paix, depuis que je suis monté substitut commissaire gouvernement, moi, je suis responsable de permanence paquet, et je suis toujours mis pieds à terre pour me accompagner tout commissaire gouvernement. Je dis à ce moi, commissaire gouvernement, je dis à moi, décider d'accompagner la population. Et ma petite population, je vais être assuré. Je vais parler de même comme commissaire gouvernement, dans tout ghetto, dans tout coin, dans tout quartier, parce que je dis à l'autorité pas qu'à faire bandit. Et toute autorité qui choisit faire bandit, qui a fait bandit en place, place pas maintenant que vous faites l'investissement. Mettez moi, je ne vais pas bandit, place moyen. Donc, moi, je dois travailler 24 sur 24, et maintenant, la rue à 24 sur 24, faut que je fasse résultat. Et je vais tout profiter. Lancer une opération zéro tolérance. Zéro tolérance à tout bandit. Zéro tolérance à tout malfrat. Et m'a dit la police encore. Moi, pas voyer à violer les droits. Personne monde. Mais tout, moi, pas d'accord tout pour la violer, pour quitter malfrat. Bandit, criminel, kidnapper, à violer les droits. Monde sérieux dans la société. Je dis, hein, pas qu'il y ait avant la police. Et ma descendante avant, parce que je dis à la question qui n'a plus ça, pour le système de la société. Merci. Richemont Florival, commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Cap-Haïtien. Je salue MJ, je salue le secrétaire d'État qui est avec nous, je salue le représentant des CPJ qui est avec nous, je salue tout le confrère qui fait le déplacement. On peut saluer la presse parlée, écrite, télévisée en ligne. C'est un plaisir pour le paquet du Cap-Haïtien, capable de faire connaître qui travaille, que le commissaire gouvernement fait dans le mois janvier, février et dans le commencement du mois mars. Là. Depuis que nous rentrons dans le paquet en 2019, nous avons annoncé une opération qui nous révélait l'opération zéro tolérance. Et c'est au ça, il fait chemin parce que en plus le bandit est obligé de prendre la fuite et de dépasser l'autre formel à la police pour que le bandit soit au cas serré et que la justice lui-même s'est les capriés. Effectivement, dans le mois de janvier, il a gagné 17 opérations sous ordre du commissaire gouvernement qui était opéré dans une zone non droite pour sans raison, Fougerolles, Comblant, Carrefour la mort. Et dans cette opération, ça, nous avons 19 suspects. Et nous avons 16 dossiers qui étaient constitués. Et l'unité qui était accompagnée, le commissaire gouvernement, dans le travail, ça, c'était SDVJ, qui mot avec API. Et l'infraction que nous avons trouvée, c'est détention illégale d'armes à feu, vol de nuit, enlèvement. Et nous avons également fait contrôle d'identité. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, DC. Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, estimable commissaire du gouvernement, des 18 juridictions du pays, monsieur le représentant
du directeur central de la police judiciaire, la DCPJ. Membre du cabinet, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, à la double responsabilité de mener à la fois la politique pénale et de participer au processus de fabrication de la politique sécuritaire du gouvernement. Fort des attributions à lui conférées par la Constitution et les instruments juridiques régissant le fonctionnement du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et la PNH, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a pour obligation de veiller au bon fonctionnement de l'institution policière, de s'assurer qu'elle s'acquitte de sa mission première de protéger les vies et les biens et de protéger les policiers contre tout abus dont ils pourraient être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. De ce fait, je suis particulièrement préoccupé par les actes de kidnapping qui atteignent des proportions alarmantes à travers la zone métropolitaine. Certaines activités dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, des ambiances nocturnes sont quasi paralysées car la peur envahit la population. Les enlèvements au quotidien qui frappent toutes les couches sociales provoquent consternation et stupeur. Les capacités des appareils de sécurité de l'État à freiner jusqu'à date ce phénomène inquiétant n'est pas de bon augure. Le gouvernement de la République est consterné par la tentative d'enlèvement suivie d'assassinat de plusieurs personnalités et plus particulièrement celui du docteur Ernest Padi, survenu dimanche dernier en date du 28 février 2021. L'heure est à l'action et des mesures urgentes doit être adopté immédiatement. Il faut rapidement que la PNH assure une augmentation de la présence policière de façon significative à travers les rues, contrôle effectif de tous les types de véhicules, permis de conduire, papier du véhicule, autorisation de tête, fouille à la recherche d'armes à feu et de munitions. Deuxièmement, une occupation de tous les carrefours importants par des points fixes et patrouilles mobiles sur les axes principaux. Troisièmement, la poursuite de la mise en place de barrages fixes à certains endroits pour empêcher les actions des bandits. Le lancement d'opérations ciblées et musclées de la PNH contre certains repères de bandits. Une sensibilisation de la population sur le comportement sécuritaire à adopter pour ne pas être facilement victime d'actes d'insécurité. Sixièmement, un marquage de tous les véhicules immatriculés services de l'État afin de pouvoir retracer l'affectation du véhicule. Un partage accru des informations entre toutes les cellules de renseignement des instances étatiques impliquées dans la sécurité. Une infiltration des formateurs dans certains quartiers et au sein de certains réseaux. Un contrôle réel
de l'effectif policier actif en détachement, en mesures conservatoires, en disponibilité, études à l'étranger, malades et autres. Sixièmement, un contrôle de l'armement collectif au sein de toutes les unités de la PNH. Un contrôle des armes à feu et munitions détenues par les agences de privées de sécurité. Une demande par le gouvernement aux deux compagnies de téléphonie mobile de mettre hors service toutes les signes non identifiés. Un renforcement du contrôle à travers toutes les prisons du pays afin de prévenir les évasions. Et quatorzièmement, un lancement d'avis de recherche à travers tout le territoire national sur les évadés de la prison de la Croix des Bouquets. Une évaluation à la huitaine des premiers résultats obtenus doit être effectuée et un suivi de l'élaboration d'autres mesures à adopter à moyen terme. Avec une bonne synergie au niveau de tous les acteurs étatiques, la volonté et les sacrifices nécessaires à consentir, je suis certain que nous pourrons réduire l'insécurité à sa plus simple expression. La population doit être rassurée. Les artisans du chaos qui instrumentalisent le kidnapping à des fins politiques, en semant le deuil dans les familles haïtiennes, en décapitalisant les classes moyennes, doivent savoir qu'ils ne pourront pas mettre l'État en déroute. Dans une démocratie, on ne conquiert pas le pouvoir politique par la violence et la terreur. Les bandits téléguidés par les forces obscurantistes, cherchant à provoquer un soulèvement général dans le pays, seront traités comme ennemis de la société et de l'État. L'instabilité politique a fait trop de mal à ce pays. Trop, ça n'est trop. N'a privé ni sous hauteur intellectuel, ni sous hauteur matériel, kidnapping l'an dans le pays. D'ailleurs, dans plusieurs juridictions du pays, les commissaires du gouvernement et la PNH sont à pied d'œuvre et ont déjà mis la main au collet de plusieurs présumés kidnappeurs. C'est dans cette perspective que les commissaires du gouvernement, près les tribunaux de première instance, des 18 juridictions sont ici présents pour partager avec la population leurs résultats sur le terrain en matière de lutte contre la criminalité et le kidnapping. Nous tous à travail pour nous bailler le peuple à service. Donc, nous devons bailler explication sur ça la fait. Commissaire gouvernement, vous parlez de nous, yon après l'autre, qui s'y a réglé dans la juridiction par pour combattre la criminalité avec impunité. Merci.